Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui change beaucoup par rapport à ce que je fais d'habitude. On va essayer d'analyser ensemble le mouvement trap metal, ses caractéristiques et ses artistes majeurs. Avant tout, je tenais à dire que c'est la vidéo du règlement Le Rap Nouveau Rock qui m'a donné envie de faire cette vidéo et qu'il m'a énormément inspiré. Le thème qu'il aborde dans cette vidéo est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Depuis tout petit, j'écoute du metal rock, mon enfance a été bercée par la double pédale et les riffs de guitare très vilains. Ce n'est que très récemment que j'ai découvert le rap et que j'en écoute énormément. Du coup, lorsque j'ai vu sa vidéo, j'ai bandé. Il y a quelques mois, j'ai découvert un certain style de rap et je n'écoute quasiment plus que ça. Je ne sais pas si ce genre de rap a un vrai nom, mais on voit souvent le mot trap metal apparaître. Ce genre a su allier à merveille tout ce que j'aime et je ne cesse de découvrir chaque jour de nouveaux artistes. Ce style a l'air d'émerger peu à peu et de réunir un public de plus en plus fédéré, et j'espère que ça continuera sur ce chemin. On trouve très peu d'articles sur internet qui en parlent, et c'est donc pour cela que j'ai voulu en faire une vidéo. Je ne prétends en aucun cas être un connaisseur, un expert ni de la musique metal ni de la musique rap, loin de là. Je n'ai pas une énorme culture musicale, que ce soit dans le metal et encore moins dans le rap. Un vrai connaisseur me loterait sûrement en trois coups, donc je me place qu'ici qu'en simple auditeur qui veut partager sa passion. Comme je l'ai dit avant, la vidéo du règlement m'a grandement inspiré. Cependant, je ne veux pas faire un copier-coller, il a déjà tout dit et j'ai un grand respect pour son travail. On va ici plutôt se concentrer uniquement sur les similitudes entre rap et metal et non sur le rock. Notre but sera d'analyser des morceaux de trap metal pour comprendre quelles sont les relations qu'entretiennent le rap et le metal et comment les deux genres s'influencent mutuellement, et ça depuis plus de 20 ans. C'est parti! D'après la définition de l'Urban Dictionary, la trap metal est un sous-genre de la trap combiné avec des éléments du heavy metal, comme le screaming, qui sont rajoutés à un beat de trap. D'après cette définition, la trap metal est donc un type qui hurle sur un beat de trap. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un mélange de ces deux genres. Déjà, en 1987, le groupe Anthrax s'associe avec Public Enemy sur Bring the Noise, mêlant hip-hop et thrash metal. L'année suivante, le rappeur Sir Mix-a-Lot s'associe à Metal Church pour la composition de son single sorti en 1988, Iron Man, inspiré du titre homonyme de Black Sabbath. En 1990, le rappeur Ice-T forme un groupe de heavy metal appelé Body Count. Stuck Mojo, un groupe de metal dont le chanteur rap est considéré comme un autre pionnier du genre. C'est comme cela qu'on voit apparaître en 90 des groupes comme Rage Against the Machine, Linkin Park, Limp Bizkit et Faith No More. Le phénomène devient un genre à part entière, nommé simplement rap metal, et connaît une réelle popularité. Par la suite, des featurings tels que Korn et Ice Cube ou Swad avec le Wu-Tang Clan se feront. On voit ici que, malgré l'imaginaire populaire, rap et metal ne sont pas si éloignés que cela. Au contraire. Vous allez donc me dire, mais si ça existe depuis les années 80 ton truc, pourquoi tu nous en parles comme si c'était tout nouveau? Et à cela je réponds qu'avant, le rap metal se construisait sur une base instrumentale metal. Conventionnellement, une batterie, deux guitares et une basse. Et sur un chant rappé. Maintenant c'est quasiment l'inverse. La trap metal serait plutôt construite sur une base instrumentale trap et sur un chant metal, c'est-à-dire une voix agressive qui crie parfois. Et puis entre ça... et ça, il y a une différence, non? Mais alors, comment s'est faite cette transition? Elle a pu être effectuée grâce à la crunk, sous-genre du hip-hop apparu dans les années 90-2000. Les morceaux de ce genre musical étaient en général hurlés. C'était l'une des premières fois qu'un artiste criait sur une instru type rap-hip-hop. Peu à peu, la crunk s'est divisée en plusieurs sous-genres, dont la trap, qui a amené avec elle ses coups de grosse caisse, ses sub-basses violentes, ses doubles croches et ses triolets. L'instru typique trap est beaucoup plus violente que celle de la crunk, mais le chant n'est plus hurlé. C'est donc dans les années 2016-2017, avec des artistes tels que Bones, XXXTentacion ou Scarlord, que cet instru trap va aller de pair avec un chant crié, du style metal alternatif. Ils donneront donc naissance à ce qu'on appelle la trap metal. C'est vrai que c'est plus simple de créer sur de la trap bien vénère que sur du R&B. Pour l'histoire du metal, je vous conseille cette vidéo. Et pour l'histoire du rap, celle de Seb Lafrite. Comme je l'ai dit dans l'intro, je ne sais pas si le genre trap metal existe officiellement. Mais c'est ce terme que l'on retrouve le plus souvent sur internet. On retrouve parfois aussi le terme screaming rap ou rap screamo. L'un des artistes les plus connus de ce genre est sûrement XXXTentacion. Personnellement, c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser à ce style de rap, car je n'avais jamais entendu une telle agressivité et une telle violence dans le rap. Je l'ai découvert avec le morceau I'm sipping tea in your hood. Oui, je sais, j'ai un accent de merde. La basse est sursaturée et agressive. De plus, elle utilise le triton, harmonie assez caractéristique du métal, car elle est dissonante et perturbante. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent,
X sait aussi très bien rapper, comme ici dans son morceau H2O en feat avec Ski Mask. Ou dans son morceau Riot. Les premiers morceaux de X étaient enregistrés à l'arrache avec pas beaucoup de matos, et c'est donc en partie pour cela que les basses sont hyper saturées et crades, comme dans Take a Step Back ou Reproach. Une caractéristique qu'on retrouve dans certains groupes de black metal par exemple, l'autosuffisance, l'autoproduction et la qualité sonore crade. Cela donne une atmosphère toute particulière car la plupart des morceaux produits maintenant sont assez lisses. Le mixage est conventionnel et bien travaillé, ce qui donne parfois l'impression que tous les morceaux se ressemblent. Généralement, dans le black metal, on entend plus les fréquences aiguës correspondent aux guitares, alors que là, c'est tout le contraire. Ici, c'est le morceau en soi qui importe et pas le mixage. On se démerde comme on peut avec ce qu'on a et on emmerde un peu les conventions. En parlant de black metal, beaucoup d'artistes s'inspirent de son esthétique pour leurs pochettes d'albums, tels Ghostman ou Project. A la différence de X, Scarlord produit beaucoup plus de morceaux de ce genre, car X est très versatile et un peu touche-à-tout. A l'origine, Scarlord faisait partie d'un groupe de rap metal nommé Mid City. C'est donc assez évident qu'il est influencé et par le metal et par le rap. Il se sépare de son groupe et commence sa carrière solo en 2016. La voix est la même, mais l'instru derrière, non. Au lieu de chanter sur une batterie, une guitare et une basse, Scarlord va choper des instrus type trap et crier dessus, comme il le faisait avec son groupe avant. D'autres artistes mêlent avec talent, trap et metal. En voici une liste. Parfois, la distinction entre trap et metal est encore moins visible. Les instrus trap incluent une vraie batterie ou un riff de guitare, et l'artiste mélange rap et scream dans la même chanson. Cela crée donc une véritable confusion et rapproche encore plus les deux genres. Certains artistes samplent des morceaux de groupes de métal. Cela homogénéise encore plus les deux styles car ce sont de claires références. Les cas les plus extrêmes sont les morceaux complètement métal. Ici, l'instru et le chant sont dans la veine métal, il n'y a plus rien qui caractérise la trappe.
On peut donc se demander quand est-ce que le morceau est trap, metal ou les deux à la fois. C'est très compliqué de définir ce genre musical et je ne saurais pas le faire avec précision. Ça reste avant tout de la musique et je crois qu'il faut plutôt laisser parler son cœur. Ce style de musique est une vraie révélation pour moi et il me touche tout particulièrement. Que ce soit de la trap metal, du gym funk hardcore, du trash heavy power R&B ou du jazz acid core gangsta rap. Je ne dis pas que les distinctions entre les différents genres de musique sont inutiles, attention. Tous les genres musicaux ont des caractéristiques bien particulières. Et chaque artiste de chaque genre musical a des particularités différentes. Les distinctions entre les genres musicaux sont utiles. C'est un outil pour parler plus facilement du monde complexe qu'est la musique. C'est aussi un outil qui sert à analyser et décrypter la musique et son histoire, comme nous l'avons fait ici. Mais comme tout outil, il faut selon moi l'utiliser avec modération. Il sert à comprendre la musique, mais pas à la ressentir. Si ce genre de son t'intéresse, je te conseille d'aller voir la chaîne de Void Tracks ou Dark Tones. Ils publient régulièrement des musiques de ce style avec un petit clip qu'ils font eux-mêmes, ce qui permet de découvrir chaque jour de nouveaux artistes. J'ai sûrement oublié plein d'artistes, si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les faire partager dans les commentaires. Je suis désolé d'avance s'il y a des imprécisions dans ce que je dis, je me suis documenté un max avant de faire cette vidéo, mais l'erreur est humaine. J'espère que la vidéo t'a plu, si tu as aimé, n'hésite pas à partager et à t'abonner. Ciao !